Soir, très très tard. Le vlogmas est en ligne depuis quelques heures, mais je suis en train de tricoter et je voulais vous montrer quelque chose. Donc, je suis en train de faire des côtes bicolores. Alors, je voulais vous montrer comment faire. Alors, j'ai un fil dans la main gauche que je tricote à la continentale, un dans la main droite que je tricote à l'anglaise. Donc, je fais les mailles envers à la continentale de la main gauche et les mailles en droit, comme ça, à l'anglaise de la main droite. Main gauche, main droite, main gauche, main droite. Et du coup, mes côtes sont très fluides. Ça va très vite en faisant un fil dans chaque main. Parce que on s'arrête jamais en fait. Je trouve que des côtes bicolores, c'est très rapide à faire. Voilà. Alors bien sûr, faut savoir tricoter à la continentale. Mais c'est très facile, hein. Il suffit de s'entraîner un petit peu. Et du coup, quand on veut tricoter des mailles envers, je trouve que la méthode continentale, c'est très rapide. Parce que souvent, on se dit, oh, les côtes, c'est long, on casse son rythme de tricot, à toujours repasser le fil devant, derrière. Et bien là, j'ai pas, vous voyez, j'ai pas à le repasser devant, derrière, puisque la maille envers est déjà sur l'envers, en fait, et la maille en droit, eh ben, je la tricote normalement. Et voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça très joli. Je ne sais pas vous, vous me direz en commentaire. Alors, j'essaie de vous montrer à l'endroit. J'espère que je suis assez près. Dites-moi, hein, surtout, criez-moi si vous voyez pas assez bien. Alors, j'aime beaucoup les côtes bicolores sur les pulls en jacquard. Ça rappelle les couleurs du jacquard, tout simplement. Voilà. Le résultat. Et on garde quand même l'élasticité malgré tout des côtes. Sans pour autant qu'elles soient complètement éclatées parce que ça resserre quand même un petit peu. Je trouve ça très joli. Bonne soirée! Bonjour, on se retrouve, on est mercredi 8 décembre. Nouveau jour de Vlogmas.
Alors, je vous ai pas pris ce matin parce que le mercredi chez moi c'est jour de marché et je suis allée voir s'ils vendaient des trépieds pour téléphone. Mais en ce moment il fait tellement beau, je vais vous montrer qu'à part des marchands de nourriture, on n'a rien d'autre. Regardez, oh c'est beau! Eh oui, de la pluie, toujours de la pluie, toujours de la pluie. Bon, cela dit, je n'y suis pas allée pour rien parce que regardez ce que j'ai trouvé. Un joli sapin. Voilà, livré avec un petit sucre d'orge. Donc, demain, avec ma petite marmotte, on va le décorer. Voilà. Alors, du coup, on a deux calendriers de l'Avent à ouvrir, un café et un tricot stitch. Alors, on va commencer par la laine, hein. C'est ce qui vous intéresse le plus, hein. Alors, je vous installe. Donc, du coup, j'ai toujours pas de trépied, je suis désolée. Comment je vous mets? Voilà. Alors, donc, le numéro 8. Qu'est-ce que c'est? Alors, hop. Le coloris bûchette. Oh, ça tombe bien avec mon petit sapin. Alors, oh, c'est magnifique. Oh, j'adore. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau, c'est trop 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 beau, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Alors là, du coup, je vais bobiner tout de suite et me mettre très très vite à l'indice du jour. C'est beau. Alors, c'est un mélange de, je sais pas, on dirait café au lait, chocolat, et puis, une espèce de violet. Bien sûr, j'ai Saphir qui me saute sur les chevaux pour l'attraper. C'est magnifique. Arrête, Saphir! Ah, coquine. Voilà. Donc là, j'ai un petit problème là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'elle a tiré dessus? Oui, je pense. Ah non, 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 je l'ai mal pris. Je l'ai mal pris. Aïe, 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 aïe. Je vais avoir des problèmes. Hop, je le remets bien. Voilà. Eh bien, je vais aller bobiner tout ça. Donc d'abord, on va ouvrir le deuxième calendrier. Je vous reprends avec moi. Alors, nous sommes le jour 8. Où est-il? Il est là. Au secours! Oui, bien sûr, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. En tout cas, je pense que je vais me régaler. Hein? Alors, eh bien, je vous dis à tout à l'heure. Oh là là, que de lumière, que de lumière. Voilà, c'est mieux par ici. Ce que je porte, donc mon pull Lady Queen de triple L de mag, avec ce joli motif sur le devant et sur les raglans, et le gilet amande de l'atelier de la case avant.
dans ce joli coloris. C'était, je ne sais plus de qui. Faut aller voir sur ma fiche Ravelry, c'est tout indiqué. Voilà, de vieux écheveaux que j'avais et que bah, j'ai tricoté. Ce gilet il date d'il y a un an à peu près. Un an, peut-être un petit peu plus d'un an. J'ai dû le tricoter en octobre. Voilà. Et donc, et ben, demain, mission. Sapin de Noël! Yes! En plus, le monsieur était très gentil parce que comme j'y suis allée avec la petite dans les bras, donc c'est pas loin, hein, c'est, je vous montre, voilà, c'est au bout là-bas, donc juste la route à traverser en fait. Est-ce que vous voyez les drapeaux? Attendez. Voilà, vous voyez les drapeaux là. Eh bien, c'est juste là, en fait. Mais pour ramener un sapin de Noël avec la petite dans les bras, c'est mission impossible. Alors, le monsieur m'a dit gentiment, bah, avant de partir à 13h, je viendrai vous le livrer, hein. Donc, bah, super. Voilà, donc, livraison du sapin gratuite avec un petit sucre d'orge en cadeau. Et puis, puis quelques petites branches pour décorer. Donc c'est super sympa. Voilà. À tout à l'heure. Coucou, il est 16h. Je vous montre ce que j'ai ramené ce matin du marché. Alors j'ai pris des navets, de la mâche et du pissenlit. J'ai pris une botte de poireaux, des carottes, des pommes de terre, des oignons qui sont rangés et des noix. Et puis là, je me suis fait un milkshake à la banane. Donc, je mets 20 centilitres de lait de riz avec une banane et des graines de chia. Voilà, je vous ai épargné le bruit du mixeur, hein. Je crois que c'est pas la peine. Voilà, eh bien, je vais déguster mon bon petit milkshake. Et je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer le coloris du jour tricoté. Voilà, à tout à l'heure. Coucou, c'est Sandrine, il est 16h. Je vous retrouve donc pour vous montrer le coloris du jour du calendrier de l'Avent Tricot et Stitch tricoté. Alors, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? C'est très joli. Regardez-moi cette merveille. J'adore. Franchement. Donc là, on a les petites séquences de violet que je vous avais montré, hein. Voilà. Un petit hérisson qui se promène dans mon tricot de Sunnyside. Voilà. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un point dentelle. C'est un mélange de maille en droit, maille en vert. Donc un point texturé. On verra bien ce que ça va donner. Voilà. Quoi dire d'autre? Oui. Ce que j'ai rajouté. Parce que j'ai froid, donc j'ai rajouté. Alors, c'est mon châle réconfort de Tricot et Stitch que j'adore, que j'adore. Alors, il est où l'endroit? Il est là. Hop. Voilà. Et ce point-là de pomme de pin, c'est le point dentelle qu'on a eu hier. Justement dans l'étole. Alors sur le marron, on voit beaucoup moins. Je vais reprendre ma feuille magique. Voilà. Donc le point pomme de pin. Très joli. Donc que l'on retrouve dans le châle réconfort. Alors le châle réconfort,
Je vous l'ai déjà présenté donc en podcast. Je le remets, hein, excusez-moi. Hein. donc c'est, je l'ai tricoté. Donc c'est un modèle de tricot et stitch que j'ai tricoté en test donc pour Christelle dans ses laines. Donc c'est une déca, sa base déca tweed mélangée à un fil de mohair. Donc je vous laisse imaginer l'épaisseur et la douceur. C'est trop doux. Il porte très bien son nom. C'est un châle doudou, réconfort. D'ailleurs, il y a un cal pour ce châle qui court jusqu'au 24 décembre, je crois. Le but étant de l'offrir pour Noël. Donc jusqu'au 24 décembre, n'hésitez pas à aller acheter le patron. Il est super facile à faire. Il monte très vite. Moi, je l'ai fait en 3 jours. Un fil déca plus un fil mohair, hein, vous imaginez bien que ça monte tout seul. Et le résultat est juste bluffant. Moi, je l'adore. Voilà. Alors, désolé, la nuit commence à tomber. Il est 4 heures. C'est épouvantable. C'est épouvantable. J'aime pas l'hiver et on n'y est même pas encore. Voilà, donc là vous voyez hein, le ciel qui commence à se séparer en deux. Mais ouais. Bon, autre chose à vous dire aujourd'hui. Donc j'ai terminé mon corps et ma première manche de mon pull de Noël. Donc je vais vous le montrer. Oups là, je le cache pour l'instant. Ah, cette lumière, c'est horrible! Donc, vous aviez vu le début du corps. Et puis, comme je vous ai déjà dit, moi, le corps, bah, beige, hein. Donc, moi, je vous ai déjà dit, j'aime la couleur, j'aime quand ça pète. Et un pull tout beige, je me suis dit, bon, ok, il est magnifique. Le yoke, mais le bas, bof, quoi, hein? Alors, quand j'ai commencé mes côtes, j'ai eu une idée. Je me suis dit, il faut du peps sur ce pull. Et pas seulement le yoke. C'est trop triste, juste le yoke en couleur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des côtes bicolores. Alors, j'ai repris mes couleurs du jacquard et j'ai fait donc des côtes bicolores. Alors pour le bas du corps, j'ai repris le rouge et le jaune. Pour la manche, j'ai fait marron et vert. Alors là, avec les couleurs, vous voyez plus. Ah, voilà. J'arrive à trouver un petit coin de lumière encore. Donc marron et vert. Et la deuxième manche, bah vous verrez ce que je vais choisir plus tard. Voilà, donc juste après, je vous mets une petite vidéo. Je me suis filmée en train de faire les côtes bicolores pour vous montrer comment on fait. Pour celles qui ne savent pas, si ça peut vous donner des idées, alors j'en profite de le. Voilà, pour vous remontrer à la bonne lumière. Ah, c'est joli, j'adore. Et là, franchement, ça fait toute la finition du pull, je trouve. Parce que c'était trop fade, tout le corps, et encore, hein, j'ai un petit corps, hein. Donc ça va, il n'y a que une vingtaine de centimètres, hein. Mais je me suis dit, c'est fade, c'est trop fade pour moi. Moi, il me faut de la couleur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces côtes bicolores? Donc j'ai fait la maille en vert avec le coloris jaune et la maille en droit avec le coloris rouge. Voilà. Et pour la manche, j'ai fait la maille en vert en vert et la maille en droit en marron. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'adore. Franchement, c'est le petit truc qu'il fallait rajouter pour que mon pull me plaise à 100%. Voilà. Et bah, vous voyez, ça garde l'élasticité quand même, hein, des côtes.
Et je trouve ça très joyeux. En plus, ça rappelle les couleurs du jacquard qui font très Noël. J'adore. Franchement, voilà. Je suis contente de l'idée que j'ai eue en toute dernière minute. Alors, bien sûr, ce n'était pas proposé dans le patron, hein. C'est moi qui ai pris l'initiative. Mais voilà quoi. Je trouve ça super chouette. J'adore mon pull. J'ai hâte de le finir maintenant. Il me manque une manche. Donc, elle est montée. Et puis, ce soir, j'attaque la manche. Et pour les côtes, vous verrez quand elles seront finies pour savoir quelle couleur j'ai choisie. Voilà. Là, cette fois, je crois que je vous ai tout dit pour cet après-midi. Donc, je vous laisse. On se retrouve ce soir pour clôturer donc ce vlog. Et je vous montrerai donc l'indice tricoté en entier. Salut, salut, à ce soir. Coucou, on se retrouve pour clôturer donc ce vlog. Ce jour numéro 8. Ouh là là, que ça passe vite. Donc voici le point et la couleur du jour. J'adore. Franchement, c'est magnifique. Alors là, la couleur, bon, c'est pas trop ça, hein, c'est plus rosé que beige, mais je vous montrerai demain à la lumière du jour. Et le point texturé, donc c'est un jeu de mailles en droit et mailles en vert qui forme un peu des petits escaliers parce que c'est pas des côtes 4-1 comme on pourrait le croire comme ça. Là, vous voyez que ici, par exemple, on a, vous voyez, une maille en droit, 2, 3, 4. En fait, ça fait comme deux moitiés de triangle par petit carré à l'intérieur. Là aussi, on voit bien. Voilà. Donc, c'est très, très joli. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce point texturé. Et puis, avec les reflets de la... Enfin, les variations de couleurs, c'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, donc voilà. Par contre, aujourd'hui, c'était pas 16 rangs comme d'habitude pour la deuxième partie, mais 20 rangs. Donc, j'espère qu'on aura assez de laine, hein. Normalement, c'est prévu pour. Donc, on verra bien demain, pendant la transition, comment ça va se passer. Voilà. Maintenant, je vais continuer la deuxième manche de mon pull que je vous ai montré donc tout à l'heure. Voilà. Et puis, demain matin, donc avec Alice, on va décorer le sapin de Noël. J'essaierai de vous filmer des petits passages. En espérant que les minettes ne me mettent pas le sapin par terre toutes les 2 secondes. On va éviter les boules en verre cette année parce qu'avec Saphir, c'est son premier sapin. Elle est toute folle. Elle est tout le temps dessus. Enfin, dessous. Je l'ai mis, vous avez vu, je l'ai mis sur un meuble et du coup, elle a la place d'être en dessous. Mais alors, quand les boules vont pendre, on va voir. On va voir, on va voir. Voilà la coupable. Saphir. Voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis à demain et je vous remercie également tous et toutes pour me suivre. Pour les partages que l'on a en commentaire. J'adore, franchement, j'adore partager ces moments avec vous. Voilà, même si ça prend énormément de temps,
Parce que mine de rien, ben, rien que le fait de filmer, donc je suis à peu près à en moyenne 25 minutes par jour. Donc c'est 25 minutes de moins de tricot. Plus ben, le temps de faire le montage, d'uploader. À mon avis, ça me prend entre 1 heure et demie et 2 heures par jour. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est avec plaisir que je le fais. J'espère que de votre côté, le plaisir est partagé. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me booster un petit peu. Et voilà. Et c'est bien, merci, un immense merci à tout le monde, donc. Et je vous dis à demain. Salut!